Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur une vidéo de Roblox Iron Man Battleground. Et je ne suis pas tout seul les amis, je suis accompagné de Bibiz. Eh bien salut tout le monde, c'est Bibiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une Tesla, donc notre première vidéo ensemble sur ta chaîne. Ouais, alors petite précision avant de commencer la vidéo, déjà très belle armure, je sais que c'est la Mac 40, mais aussi pour parler d'un court métrage sur SCP Roleplay, puis j'avais déjà fait deux vidéos sur ce qui s'y fait. J'avais déjà fait deux vidéos sur ma chaîne YouTube et avec Bibiz on a le projet de faire une petite série sur SCP Roleplay. Ouais, voilà, est-ce que je peux leur en parler un peu ou... Oui, si tu veux. Donc oui, les amis, j'ai prévu de faire avec Inkteslaz et d'autres invités, car je recrute pour participer à ce projet, de créer un court-métrage et pourquoi pas un film à un moment donné sur SCP Roleplay ou peut-être d'autres jeux, les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez et pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos, passez sur ma chaîne parce que du coup, je vais publier une vidéo que je viens de tourner précédemment avec Inkteslaz et j'en parle. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite info du jour et donc aujourd'hui nous jouons à Iron Man Battleground puisque c'est un jeu où il n'y a pas besoin de niveau spécifique, juste j'aurai des Game Pass en plus. Alors, aucun Game Pass. D'ailleurs en parlant de Game Pass, il faut savoir que le jeu a été en maintenance pendant un certain temps. Coucou. Le jeu a été en maintenance et du coup il y a des nouvelles armures et d'autres qui ont été retirées, donc... Alors le jeu a bugué. Bon, alors, comme je disais, on a Hulkbuster, donc qui a été rajouté. Oh, il est stylé ton personnage. Donc là c'est la grosse armure, donc c'est Hulkbuster. D'ailleurs, au niveau de la vie, il a quand même 5500 PV, c'est pas dégueu, c'est pas rien du tout. Après, ouais, il est... Bon, le modèle pour l'instant est temporaire. Alors, à savoir que les touches ont aussi changé. Oups là, pardon. Maintenant, pour les pistolets, la téléportation, ça a changé. Pour éjecter, maintenant, c'est la même touche que exploser. Et pour les pistolets, ben, vous allez voir. Alors, j'ai équipé Iron Patriot et je vais te rejoindre, Bibi. Si t'es toujours sur le vaisseau, à ce que je vois. Ouais, exactement. Oui. Hein, target inconnu. Aouh. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas de problème. En aucun cas avec vous, car je sais qu'à tout moment, vous me mitraillez. Ah bah ça c'est sûr. Donc maintenant, pour changer, c'est plus la touche G pour changer les guns. Là, je suis toujours en répulseur. Maintenant, c'est la touche T. Et le bruit des balles, ça a changé aussi. C'est beaucoup plus smooth. Sachant que avant on voyait pas les balles, maintenant, on voit les balles. Oh, le bruit a changé aussi quand on touche quelqu'un. Nice, il a plus de masque. Il y a eu pas mal de nouveautés récemment sur ce jeu. Bah déjà le vaisseau auquel on se trouve est une mise à jour. Ensuite le fait que la map ne soit plus un désert gelé, puisque à un moment donné il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Alors je vois que c'est la Mac 2 à ce que je vois. Ok, donc c'est la Mac 2. C'est la Mac 2. Donc là, on avait la première armure. Ouh, putain, c'est flashy. On va voir. Mais moi, personnellement, j'aime bien la générale. J'avais déjà testé la générale. Ouh. Oh. Bibiz, que penses-tu de mon armure? Oh, elle est incroyable. L'épée est vraiment stylée. Les néons sont trop beaux. La couleur est magnifique. Ah ouais, non, mais je surkiffe. C'est vrai. Oh. Oh, le... Ouais, c'est flashy, c'est cool. Donc, tu veux me rejoindre? Ouais, tu me rejoins au vaisseau. Donc, on en profite pour faire un petit showcase en même temps qu'il y ait Bibiz. Voilà. On équipe le suit. Oh, au niveau de la mâchoire. Donc, c'est une armure fait de néon, quoi. Avec ce qui semblerait être des bouts de jet à l'arrière. C'est une armure, elle est vraiment incroyable. Ouais, sachant que c'était un Game Pass qui est récent. Alors, je sais pas ce que ça remplace, puisque je l'ai dit que le scaver me manquait parce qu'elle a été retirée. Ah, il a essayé de me mettre une patate. Oh! Je suis le général. C'est l'armure générale que j'ai. Eh ben, franchement, je la trouve très stylée. Avec la cape, ben, ça prouve bien que je suis le général des... Ah, je vois quelqu'un. Au combat.
Ah, les bruits des répulseurs sont géniaux. Ah non, mais le bruit, c'est juste insane, non? Allez, toucher avec les deux missiles, puisque maintenant, on a l'option des deux missiles. Maintenant, j'ai deux missiles. Alors, les amis, pour le combat, vous savez très pertinemment quelle armure je vais utiliser. Et sûrement, ceux qui ont... Si Bibiz a vu la vidéo, il sait très bien de quelle armure je parle. Je ne connais pas les noms. Oh, je m'en rappelle. Elle est incroyable. C'est l'armure du supérieur Iron Man, alias l'Antosim. Puisque, justement, l'animation a été changée. Maintenant... Oh bah nice. L'animation a été changée et les PV ont été changés. Avant c'était 4500, maintenant c'est 4700. Donc là au niveau de bah, au niveau de la vie, c'est plutôt un bon ajout puisque c'est l'armure de prédilection. Excuse-moi mais où suis-je? Ah, alors tu te trouves actuellement, alors je vais essayer de te rejoindre sachant qu'on a la vision X. Alors après il faut que juste que je retrouve Je vois quelqu'un voler, je ne sais pas qui c'est. Tu te trouves actuellement... Là, pardon. Tu te trouves actuellement sur la plateforme de d'armure. Alors, ceux qui ont la référence pour Iron Man, c'est Veronica. C'est là où il y a Hulkbuster de base. Parce que dans le film Avengers, Tony fait appel à Hulkbuster. Ben, en fait, c'est ça. Et pour montrer la preuve que les armures viennent de là... Aïe. Je vais équiper n'importe laquelle. Admettons la HD Army. Et vous voyez que l'armure vient de ce truc. Ah, ah ou. J'ai l'impression que tu ne peux pas mourir. Ben parce qu'en fait je viens à quand. Alors à savoir que quand on équipe nos armures, maintenant la vie se régénère. Ah oui, j'avais pas présenté l'avant du vaisseau, donc c'est un peu Star Wars, un peu je trouve, une petite référence à Star Wars, on dirait un Star Destroyer. C'est la petite référence ouais, du jour. Je me rappelle que c'est sur Iron Man Battleground. Je pense pas, tu vois. Ah, je vois que quelqu'un est à proximité. Ok, je vois que t'es en bas et je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de me cibler. On va le dégommer. Je vais le dégommer au laser, si j'arrive à le toucher. C'est à la latence, du coup, ça me fait mal cibler. Voilà, j'ai récupéré ma jambe. C'est bon, là, sachant que je vois qu'il y a toujours les mêmes doudes qui viennent. Ok, touché. Alors je ne sais pas où tu es, je vois que tu es dans l'eau. J'arrive tout de suite. Alors, vite fait pour vous montrer sur le vaisseau, maintenant il y en a les... Voilà, on a ça. Espèce de... D'arène, ça fait un peu penser aux arènes. Ouais, je pense que c'est une sorte de mini arène privée. Alors que vous le voyez sur mon écran que Bibiz apparaît en contour blanc. C'est pour les voir à travers les murs. Les gens, se regarder. Ne bouge pas, comme ça je montre aux abonnés. Ah ouais. Que vous voyez que je peux le voir à une certaine distance. Alors il faut que ça marche. Bon. Voilà, on peut, je le vois à travers le mur. Bon, bien sûr, il y a une limite. Il y a une limite de distance, mais sinon, on peut voir les personnes à travers les murs. Mais ça, c'est dommage qu'on les voit pas trop de loin. En vrai, il est pas mal le jeu. Le jeu est pas mal, sachant que n'oubliez pas que j'ai à peu près tous les armures. La Mac 47 Zombie, la Mac 4, le Nest. Laquelle est ta préférée? Ben moi perso j'aime bien les THF. Elles sont stylées. Je sais plus, je crois que c'est la 3 avec l'épée. Moi j'aime bien celle avec l'épée. Ouais, c'est vrai que celle avec l'épée. Ok. C'est pas la bonne armure. Oula, j'ai failli tomber dans le vide. Est-ce que c'est la bonne armure? Ah! Je fall into the vide. Oh, il n'y a pas une épée, mais il y en a deux! Oh! Elle est incroyable! Et pourtant, c'est la même armure avec juste la simple épée. Donc en fait, ça veut dire que c'était un bug visuel, donc il y a deux épées. C'est juste incroyable. Cette armure est trop stylée. Je veux te rejoindre. C'est la THF 4. Elle est incroyable. Cette armure est juste incroyable. Est-ce que j'ai des missiles? Sachant que j'ai... Ah, ça marche pas le X-ray là-dessus? Ah non, j'ai pas la vision X. L'armure est juste incroyable. Je suis au néon.
En plus, ce bleu comme ça là. Est-ce que j'ai le laser au moins? Ouais, alors le laser c'est bien quand on veut cibler quelqu'un. Ah. Ah, ça fait du beau shoot. En tout cas, sur ton écran, ça rend beaucoup mieux que le mien. Je trouve sur ton écran, ça fait beaucoup plus propre. Tu m'as pété mes raquettes. Ah, tu ne peux plus voler. Et moi, en revanche, tu m'as pété mon bras. Sans rancune. Après, il faudrait tester la puissance de l'armure, mais franchement, je la trouve très stylée. Après, on a la macaron des comics, mais ça, j'avais déjà fait la vidéo dessus. Ah, non, justement, avant de se quitter, je pense qu'on va... Non, vous montrer la noob, puisque la noob armor aussi a changé. Elle est normale. Je suis un noob, juste un peu plaqué. Parce que je suis un noob. C'est l'armure du noob, c'est un game pass. Avec le bruit des répulseurs qui a changé. Ah, ça veut dire que tu n'as plus de batterie. Eh oui, mes amis, vous en rappelez, si votre jauge de batterie atteint le zéro, vous passez en mode visuel. Alors, faut que tu ouvres ton masque ou que tu éjectes ton armure pour pouvoir sortir. Parce que je le vois, ton réacteur n'est pas allumé. Et là... Oh, il y a même les éclats de l'armure. Alors, ça ne sert à rien puisque tu n'as 4% de batterie. D'ailleurs, l'avantage des armures, c'est que maintenant, dès qu'on est des équipes, ben, on régénère un peu de la batterie. Comment on fait déjà pour changer d'armure? Il faut faire exploser son armure. Alors disons que toi t'es sur Xbox, du coup je ne sais pas comment on fait pour changer d'armure. Et bien les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur Iron Man Battleground. Un peu le petit showcase avec Bibiz évidemment. En vrai c'était plutôt cool, j'ai plutôt apprécié. Après c'est dommage que je n'ai pas les armures du Game Pass, on nous a pu s'amuser encore plus. C'est vrai que les armures Game Pass... Ah, il y en a un qui veut bousiller mon intro, ce que je vois. Un dude qui essaie de bousiller mon intro. Tu ne bousilleras pas mon intro YouTube. Enfin, mon autre YouTube, pardon. Et bien les amis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être avec Bibiz sur un autre jeu Roblox. Est-ce que tu veux dire au revoir à nos abonnés? Et bien, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas donc pour le recrutement du court-métrage, de grosses vidéos Roblox vont sortir sur nos chaînes YouTube, les amis. Notre feat n'est pas encore fini. De grosses nouveautés vont sortir sur nos deux chaînes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, moi, oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes. Sa chaîne sera en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, les amis.